habiter le seuil de ta maison, Seigneur. Guetter le temps de ton retour, comme un veilleur guette le jour. Rester dans l'amour de ton nom. Veiller pour être prêt le jour où tu viendras. Seuil de ta maison, Seigneur, guetter le temps de ton retour, comme un veilleur guette le jour, rester dans l'amour de ton nom. Chers frères et sœurs, la grâce de Jésus notre Seigneur soit toujours avec vous. Aujourd'hui, nous célébrons la fête des disciples de saint Paul, Timothée et Tite. Du premier siècle. Le texte d'aujourd'hui de l'évangile selon saint Luc dans le chapitre 10. En ce temps-là, parmi les disciples, le Seigneur en désigna encore 72 et il les envoya deux par deux en avant de lui, en toutes villes et localités où lui-même allait se rendre. Il leur dit, la moisson est abondante, mais les ouvriers peu nombreux. Priez donc les maîtres de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. Allez, voici que je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Ne portez pas ni bourse, ni sac, ni sandales, et ne saluez personne en chemin. Mais dans toutes les maisons, où vous entrerez, dites d'abord paix à cette maison. S'il y a là un ami de la paix, votre paix ira reposer sur lui. Sinon, elle reviendra sur vous. Restez dans cette maison, mangeant et buvant ce que l'on vous sert, car l'ouvrier mérite son salaire. Ne passez pas de maison en maison. Dans toutes les villes où vous entrerez et où vous serez accueillis, mangez ce qui vous est présenté. Guérissez les malades qui se trouvent et dites-leur, le règne de Dieu s'est approché de vous. Parole du Seigneur. Louange à toi, Seigneur Jésus. Voilà, chers amis, aujourd'hui, dans ces grands mémoires de saint Timothée et Tite, des très chers amis et disciples de saint Paul, nous parle encore aujourd'hui. Ces saints du premier siècle se sont convertis aussi au Christ, grâce à la prédication aussi de saint Paul. Alors, hier 25 janvier, nous avons fêté la fête de la conversion de saint Paul. Saint Paul rappelait toujours à ses disciples, suivre mon exemple comme moi je suis l'exemple du Christ. C'est ça la règle, en fait, mes chers frères et sœurs. Nous sommes sûrs, nous avons la foi, nous croyons en Jésus-Christ. Mais il faut que notre foi passe aussi de nos pensées à nos actes, dans des actions concrètes. Et voilà, à la suite de saint Paul, il y a eu Timothée et Tite. Et après, nous allons trouver tout au long de l'histoire de notre Église autant d'hommes et de femmes qui se sont consacrés à l'évangélisation, à rendre témoignage de la mort du Christ. Alors, si saint Paul l'apôtre, qui était un juif, fier d'être juif, est passé à une vie nouvelle
parce que son cœur a été touché par Jésus-Christ, demandons-nous aujourd'hui, dans cette situation de pandémie, si nous avons aussi cette même foi, si nous croyons vraiment au Christ qui nous invite aujourd'hui aussi, allez porter la bonne nouvelle aux autres. Comment être missionnaire aujourd'hui? L'Église nous a rappelé le Concile Vatican II et les missionnaires par nature. Alors, notre premier devoir, c'est d'accueillir cette foi comme Saint Paul, après vivre cette foi dans notre vie de tous les jours, mais aussi aller partager cette richesse de l'Évangile dans nos vies. Que le Seigneur Tout-Puissant, Saint Paul, Saint Timothée, Saint Tite, nous donne la grâce de continuer aussi notre chemin, en vivant fidèle à cette parole qui nous sauve. Recommandons-nous aussi à la très sainte Vierge Marie, en lui disant, « Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et je suis le fruit de vos entrailles et béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Que le Seigneur Dieu Tout-Puissant vous garde et vous bénisse, lui qui est Père, Fils, Esprit Saint. Amen. »